su papá. Adam va te reposer. Adam va te reposer. On continue la mobilisation. On ne se fatigue pas. On ne lâche rien. On continue. On ne se décourage pas. J'appelle et je salue tous les combattants, tous les brigadiers. On ne lâche rien. 2025 ou avant. 2025 ou avant. On ne lâche rien. On partage. On invite les autres. On partage. On invite les autres. On partage, on invite les autres. Alors, on invite les autres, on partage, on invite les autres, on partage, on invite les autres. Je vais donc poursuivre mon développement. On était en mode musique. Et donc, je vais aller sur ma page secondaire partagée. Voilà, j'y suis. Il y a déjà 28 partages, on continue de partager, on invite les autres, on partage, on invite les autres. Partage, on continue. On partage, on invite les autres. On est déjà à 31 partages. Ce que je voulais expliquer ici. Ce que je voulais expliquer ici est très simple. On va commencer par le point. Il est important de rappeler ici que nous avons pour objectif de rassembler tous les Camerounais en vue de 2025. Et quand je dis vraiment rassembler tous les Camerounais ici, c'est vraiment tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, sans distinction. Rassembler tous les Camerounais ici, pourquoi? Parce que nous avons l'échéance de 2025 ou avant. Et nous vous rappelons encore une fois que cet événement aura lieu en 2024. Le RDPC est encore dans ses manœuvres, en train de réfléchir
qui est placé comme candidat qui représentera le RDPC aux prochaines élections. Ngongo Ferdinand, tout puissant secrétaire général à la présidence de la République, tentera-t-il le coup de force pour prendre le pouvoir? Biya sera-t-il lui-même son propre successeur, n'est-ce pas? En tant que candidat du RDPC, est-ce que Franck Biya, sachant qu'on ne parle plus des franquistes ici, à partir du moment où il a décidé de prendre sa carte du parti qui est le RDPC, on sous-entend que tout va se jouer, n'est-ce pas? Ça suppose que tout va se jouer à l'intérieur du RDPC et non avec un groupe hypothétique ou un mouvement hypothétique appelé les franquistes, qui n'est d'ailleurs pas un parti politique légal, qui est ce qu'ils, d'après ce qu'ils donnent eux-mêmes comme indication, comme définition, c'est un simple mouvement de soutien à Franck Biya. Donc, on peut à partir de là conclure tout simplement que ce qui va se passer, ça se passera à l'intérieur même de l'appareil du RDPC. Maintenant, peu importe le scénario qui va accompagner, n'est-ce pas, ce parti-là, peu importe ce qui sera d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas, notre destin, quelque chose qui sera, n'est-ce pas, de l'ordre du destin commun, nous serons obligés de faire avec. Quand je dis rassemblement ici, il s'agit de rassembler toutes les tribus. Rassembler sans distinction de tribus, je vais dire, sans distinction de religion, sans distinction de sexe, sans distinction de chapelles politiques. Quand je dis rassembler ici, c'est prendre tous ceux-là qui sont des citoyens camerounais pour ne plus être obligés d'entrer dans les affaires de religion, de tribu, d'appartenance politique et tout ce qui va avec. Nous avons pour objectif de changer les choses. Et quand on veut changer les choses, on a besoin d'une équipe, on a besoin de toutes les mains pour aller conquérir le pouvoir. Pour aller dégager tous ces gens-là, ces usurpateurs. Et donc, en tant que citoyen camerounais ici, soucieux, n'est-ce pas, du changement, qui s'inquiète de la situation de notre pays, je me dis qu'il est très important qu'on se penche sérieusement dessus. Comment renverser ceux-là qui imposent la misère, l'insécurité, le tribalisme à outrance au peuple camerounais. Ceux-là qui ont écarté la norme et qui ont normalisé l'écart. Donc, le peuple camerounais continue, si le peuple camerounais continue de cette façon, il payera d'une manière ou d'une autre le prix de sa lâcheté. C'est déjà le cas. Mais ça le sera encore plus. Je m'explique. Comment on ne veut pas être frappé par la malédiction quand un pays a oublié, a mis aux oubliettes, a ignoré complètement les héros de l'indépendance? Comment vous voulez construire un pays et avancer quand les pères même qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays, le Cameroun, sont abandonnés? Les Ernest Ouandié, leurs enfants aujourd'hui font face à des sérieux problèmes. À Bandoumla, chez eux là-bas. Et encore, je ne sais plus dans quelle zone du Cameroun. Les enfants de Ernest Ouandié font face à des difficultés quotidiennes, comme tous les autres Camerounais, ont des problèmes d'électricité, ont des problèmes de manger. Leur père est mort pour le Cameroun. Leur terrain est en train d'être arraché, ils se battent tous les jours, ils demandent le soutien de l'État. Justement parce que ceux qui ont été placés au pouvoir
de Aïdjo jusqu'à Bia, étaient ceux-là qui avaient été choisis par les puissances occidentales pour diriger le Cameroun. Ceux-là même qui étaient passifs, c'est-à-dire pendant qu'on était en train de massacrer les Camerounais, ceux-là étaient passifs et ne s'étaient jamais battus pour l'indépendance du Cameroun. Et c'était la même tactique qui avait été, c'est la même méthode pernicieuse qui avait été utilisée un peu partout en Afrique. On remettait l'indépendance en s'assurant que ceux qui sont au pouvoir soient des gens qui eux-mêmes n'avaient jamais réclamé cette indépendance. C'était le cas au Gabon, avec Léon Ba, qui n'avait jamais voulu de l'indépendance du Gabon. Et qui même d'ailleurs était pour que la France appartienne au grand empire colonial avec un drapeau bleu, blanc, rouge et tout, et qui ne pensait jamais décolonisation. C'est le cas avec les Félix Houphouët-Boigny qui n'ont toujours été que dans la collaboration avec eux, avec la France, avec d'autres puissances étrangères d'ailleurs, et qui est impliqué directement, je ne dis pas indirectement, je dis bien impliqué directement dans des massacres et des complicités de massacres en Afrique. La guerre au Libéria, on sait très bien par où transitaient les armes, par le port d'Abidjan. On sait par où transitaient les armes, qui transitaient par le port gentil au Gabon, pour déstabiliser les pays. On sait exactement comment ça se passait. Salut Silé le Kamit. C'est la dernière chance, évidemment, pour le peuple camerounais. Donc, ils se sont arrangés à remettre le pouvoir entre les mains de ceux-là même qui n'en voulaient pas, qui n'avaient jamais réclamé. Biya ne réclamait pas. Biya n'a jamais fait une seule lutte. Aïdjo, pareil, aucune lutte. C'était des gens qui étaient à l'écart de tout ça. Et comme des charognards, ils rognaient, ils tournaient un peu partout pour essayer de trouver la piste qui leur permettrait d'aller prendre le pouvoir, s'installer et manger, comme on dit. Remplir la panse. Donc, vous avez abandonné donc le NS Wandi et sa famille. Les enfants de Oum Yobé, dont je connais certains, végètent, sont dans des situations mais chaotiques. Regardez là où on allait jeter le corps de Oum Yobé. Regardez là où on allait jeter le corps de Félix Roland Moumier. Regardez là où on a jeté le corps de tous ces gens. Certains n'ont pas eu de sépulcre. Ils ont été complètement abandonnés. Mais comment ce Cameroun d'aujourd'hui veut avancer? Tout en piétinant les efforts de ceux-là même, dont le sang arrose encore notre Sion, dont le sang arrose encore notre pays. C'est une malédiction que nous traînons. On ne peut pas être complice de cette souffrance et faire comme si on n'avait nous-mêmes rien fait. Le peuple camerounais participe lui-même à sa propre souffrance. Donc on ne peut pas passer le temps à tricher et à un moment faire comme si on était surpris d'en subir les conséquences. Donc à chaque fois que ce peuple-là souffre, maintenant on parle de la hausse du prix du des hydrocarbures, l'insécurité généralisée, la guerre au Nozo, la guerre contre Boko Haram et l'insécurité généralisée dans le Grand Nord, et même à l'Est avec la République centrafricaine, les Camerounais qui souffrent au quotidien. Si on ne réclame pas la bonne route, c'est normal que sur nos axes qu'il y ait des accidents tout le temps. Et si sur nos axes routiers il y a des accidents tout le temps, c'est le peuple camerounais qui en paiera le prix. On paiera quel prix? Le prix de notre lâcheté, parce qu'on n'a jamais réclamé de bonne route.
Ceux-là sont là, effectivement, le but c'est de se remplir les poches. Ils ne sont pas là pour travailler pour le peuple camerounais, pour les pauvres camerounais que nous sommes. Et donc ceux qui doivent tout le temps réclamer, être derrière, essayer de pousser au maximum. Bonjour Charles Epo. C'est le peuple camerounais. C'est le peuple. Mais si on ne réclame pas tout ça, ils ne sentiront pas qu'il y a derrière un peuple qui pousse et qui a besoin de ce changement, qui a envie de ce changement. Bah, ils vont se conforter dans leur position. Ils vont être dans des... Comme on voit aujourd'hui au palais, tous les jours on organise des fêtes. Ils vont se faire plaisir. Ils vont se faire ce partage-là. Et puis, ils vont manger des gâteaux comme bien on mange avec des champagnes et tout, qu'on distribue et qu'on donne d'ailleurs aux bébés et autres, comme on a vu Chantou récemment le faire. Ils s'en foutent du peuple camerounais. Salut Élisée et Sagou. Justement parce que... ils ne se sentent pas sous pression. La trahison vient déjà de là. Les pères de l'indépendance ont été ignorés. Leurs enfants, leurs descendants, ignorés. Le peuple camerounais paye le prix de sa lâcheté. Les intellectuels camerounais n'ont pas fait leur travail. D'ailleurs, quand on parle d'intellectuels camerounais, est-ce qu'il y en a véritablement ? Tous chantent les louanges d'un régime pour espérer un jour gagner quelque chose. Tous sont là parce qu'ils ont un seul but, pour rester sur le plan purement intellectuel. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intellectuels au Cameroun, on peut vraiment citer les intellectuels camerounais dignes de ce nom? Qui en connaît? Un intellectuel qui écrit des livres sur le RDPC pour parler du chantalisme? Celui-là peut être appelé intellectuel? Est-ce qu'on peut appeler intellectuel quelqu'un qui dit que il ne faut pas aller chasser Paul Biya à Genève pour lui demander de rentrer se soigner dans les hôpitaux du Cameroun? Quelqu'un qui se dit intellectuel et qui passe de temps à rédiger des articles pour rappeler aux activistes de l'Europe de laisser Paul Biya à Genève tranquillement parce que il est là-bas pour travailler pour le Cameroun. Et quand il est là-bas pour signer des contrats. Parce que soit, c'est pas quelle histoire de... le palais de l'unité est truffé de micros étrangers où on enregistre Paul Biya. Et donc depuis 41 ans, il n'a pas pu détruire ses micros. Depuis 41 ans, le palais, il n'a pu rien faire, il n'a pas pu construire un nouveau palais et se rassurer que... pour s'assurer qu'entre-temps, les micros ne soient pas incorporés dans les murs un peu partout pour l'écouter. Quelqu'un qui est sérieusement, quelqu'un qui se dit intellectuel, peut-il tenir ce genre de discours? Qui sont donc les intellectuels camerounais capables de faire le travail qu'il a fait? Ils sont où? Où sont-ils, ces intellectuels camerounais? C'est un sérieux problème. Donc, ce peuple-là, le bas peuple, se rend compte qu'il a été trahi à tous les niveaux. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est les Camerounais éclairés qui sont censés le faire. Ce n'est pas la maman qui est à Ndjombe Pendia là-bas et qui va au champ cultiver son poivre ou qui va cultiver son manioc. Elle ne sait pas ce qu'il en est. Ceux qui sont censés faire ce job, c'est ceux qui sont éclairés. Ceux qui ont été financés avec l'argent de l'État. Ceux qui sont censés rendre des comptes. Ceux-là qui sont censés apporter leurs compétences, n'est-ce pas? Puisque tu es payé, formé avec l'argent de l'État, tu vas à l'étranger te former. C'est l'argent de l'État. Tu dois ramener des compétences de l'extérieur pour pouvoir développer le pays. Beaucoup sont restés à l'extérieur, ils ont construit leur vie là-bas et insultent notre pays. La classe, l'élite intellectuelle, je n'en vois pas. Elle est où cette élite? Ceux même en qui on croyait pendant des années, on a cru en eux en se disant, voilà des grands intellectuels camerounais sur qui on pourrait compter. Leur objectif aujourd'hui c'est quoi? C'est insulter Kamto, essayer de renverser Kamto.
L'autre a expliqué récemment comment Paul Biya a tellement combattu. Quand tu as aimé et suivi quelqu'un comme ça à la lettre, que tu as passé ton temps à lire, et que je lis encore jusqu'aujourd'hui. Je lis Jean-Paul Pougalla depuis 12 ans aujourd'hui, quotidiennement. J'ai lu pratiquement tous ses ouvrages. J'ai lu plus de 400 à 500 articles de Jean-Paul Pougalla. Mais quand j'entends cette sommité intellectuelle, considérée comme sommité intellectuelle, rappeler aux jeunes Camerounais que non, Biya a tellement combattu la corruption qu'il a emprisonné les propres membres de sa famille pour montrer le bon exemple, mais les Camerounais ne comprennent pas, ils continuent de voler. Quand quelqu'un de cette classe-là rappelle aux gens que non, en fait, il n'y a pas de corruption en Afrique parce qu'il n'y a rien à voler. Allez regarder ça de l'autre côté de l'Europe parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. On accuse les gens, des ministres, de voler chez nous alors qu'ils ne volent presque, ils ne volent rien parce qu'en réalité, il n'y a rien. Des théories tordues pareilles. Quand tu lis des choses comme ça de quelqu'un de sa trempe, tu te dis que Biya est en Suisse pour signer des contrats, pourquoi les activistes camerounais vont l'embêter là-bas? Mais tu restes dans ton pays, on vient te trouver pour signer des contrats. De quels contrats Biya va signer en Suisse, là où il se repose dans des hôtels, il se soigne aux frais du contribuable camerounais. Aujourd'hui, on va compter sur quel intellectuel camerounais? Étant donné que ceux-mêmes sur qui on comptait ont dessus et continuent de décevoir le peuple. On va compter sur qui? Je parle bien des intellectuels. Hein. Je ne suis pas en train de parler ici des diplômés et de la servitude. Tu ne parles pas des gens qui ont entassé des diplômes et qui croient être des intellectuels. Comment on fait pour changer des choses? Que font les opérateurs économiques? Tous ces gens-là ont mis, ils ont tous versé dans le RDPC pour protéger leurs biens, pour protéger leur business, pour faire du business avec l'État, parce qu'il faut préciser que la plupart de ces opérateurs économiques, ce sont des bandits. Beaucoup qui ne payent pas des impôts, beaucoup qui versent beaucoup de l'argent dans les caisses du RDPC pour financer le parti, beaucoup qui sont là, qui gagnent des marchés, qui protègent leurs biens et qui s'en foutent du peuple. Quand on parle maintenant de l'augmentation des prix des hydrocarbures, les gens se plaignent, le pauvre peuple camerounais se plaint. Mais à côté, il y a ceux qui ne sont presque pas au courant de ce qui se passe. Quand on parle de Modi, Adolphe, qui a 50 millions de francs CFA tous les mois de bons de carburant, celui-là va se plaindre de la situation du Cameroun. Sa femme va s'en plaindre. Ses enfants vont un jour se plaindre de cela. Est-ce que ceux-là connaissent le prix d'une baguette? Des Camerounais qui souffrent et qui n'ont pas de quoi manger. Quelqu'un a un parc automobile ronflant. C'est-à-dire que toutes les voitures qui sont sur le parking sont en état de rouler, plein de carburant et des voitures entretenues. Salut mon frère Zidane. Parc automobile ronflant avec une trentaine de voitures, quarantaine de voitures de luxe à l'intérieur. Et tu ne peux que rouler une ou deux voitures maximum. Ça te sert à quoi? Toutes les autres voitures. Voilà les gens qui ne font que puiser. Ils puisent dans les caisses de l'État. Pendant ce temps, le peuple souffre. L'élite intellectuelle a trahi. L'élite intellectuelle a trahi. Les opérateurs économiques ont trahi. Le peuple camerounais paye le prix de sa lâcheté. C'est exactement ça, Simonob, ici. Des intellectuels. Et donc, il faut penser à tout cela et se dire, pour 2025 ou avant, nous allons nous mobiliser. On a le cardio, et cette lutte-ci, c'est le cardio. Les gens pensent qu'on va se fatiguer.
D'ailleurs, depuis 5 ans, les gens se disent, ah, car à la base, là, ils vont se calmer. Les combattants, là, ils vont se calmer. Bonjour, très bien. Ils vont se calmer. Mais on est toujours là, nous, on tient. On n'a rien lâché. 2018, on est en 2024, nous tenons. Et il y aura les élections libres au Cameroun et transparents. Nous allons veiller cette fois-ci à ce que cela se passe. Ça commence par les inscriptions sur les listes électorales. Inscriptions sur les listes électorales. On retire sa carte, on vote, on surveille son vote. Et on est prêt à la bagarre. Parce qu'on sait que ceux-là vont tenter toujours les mêmes méthodes. Cette fois-ci, on est suffisamment préparé. Et nous allons les affronter. Nous allons les affronter. On est prêt. Depuis là, c'est ça que j'attends. On sensibilise de temps en temps, on maintient le peuple, on essaye de dénoncer, on dénonce, on travaille en coulisses avec des groupes, des lobbying, on essaye de faire des choses. En attendant, la bagarre. Donc, ce qui va se passer au Cameroun bientôt, en cette année 2024, le Camerounais, le peuple camerounais sera tenu pour responsable parce que ça ne sera rien d'autre que le prix de ça, lâcheté. Franck Dia peut tenter de prendre la place de son père. Ngongo peut tenter le coup de force parce qu'il estime que depuis 12 ans aujourd'hui, pratiquement, c'est lui qui tient les rênes du pays. Depuis 2018, il a obtenu la signature permanente. Il y a plein de choses que c'est lui qui gère le pays, si vous voulez. Donc il peut estimer, et c'est d'ailleurs légitime, qu'au sein du parti, au sein de tous, ce sont eux qui travaillent et que Franck Biya n'a jamais rien foutu, que ce soit en tant que militant du RDPC. Il y a des gens qui sont dans le parti, ça fait 30 ans. Ils vont pas laisser un matin que Franck Biya arrive comme ça, mettre tout le monde de côté et prendre le poste de président national qui sera, n'est-ce pas, candidat naturel du RDPC aux prochaines élections. Les gens ne vont pas accepter cela. Donc la lutte commencera à l'intérieur même de l'opposition, à l'intérieur même du parti au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'opposition, nous les pauvres Camerounais, nous qui voulons le changement de ce pays? On doit se préparer. Il y a plusieurs scénarios. Soit ça peut être un coup d'État, ça reste très difficile. Soit Biya peut mourir de sa mort naturelle, mais non, ça sera la catastrophe parce que ce qui va se passer, que les gens, les Camerounais ne croient pas que c'est ailleurs que ça peut arriver. Que les Camerounais ne pensent pas que ce qui arrive au Burundi, que ce qui est arrivé au Rwanda, ce qui est arrivé dans d'autres pays africains, je ne vais pas tous les citer, en Sierra Leone et autres, au Soudan, ne peut pas arriver au Cameroun. On doit se préparer. Il peut y avoir guerre civile au Cameroun. C'est-à-dire une véritable guerre. Où les gens vont porter les petits assiettes, les marmites et quelques tissus, les petites choses qui vont leur rester et mettre comme ça sur le dos pour fuir dans les montagnes et fuir n'importe où. Comme on voit partout sur le continent africain, comme on voit un peu partout dans le monde entier, des guerres civiles. Faut pas que les Camerounais se disent que ça n'arrive qu'ailleurs. Ça peut arriver chez nous. Et tous les ingrédients sont là. Biya a tout préparé pour que ça se passe après lui. Il y aura des batailles. Ça peut déboucher sur une véritable guerre civile et il y aura des morts. Donc même ceux qui pensent qu'ils veulent voir leurs enfants grandir peuvent ne pas eux-mêmes voir leurs enfants grandir ou peuvent ne même pas avoir d'enfants après cette guerre. Il faut que cette éventualité-là qu'on prenne cela en compte. C'est très important. Faut pas que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Donc le but ici, c'est ça, c'est tellement clair, c'est tellement simple. Il faut rassembler tous les Camerounais. Rassembler tous les Camerounais pour 2000.
2024, 2025 ou avant, mais ça se tiendra en 2024. Ils sont en train de préparer leur congrès du RDPC. Ils sont en train de faire bouger les lignes avec un certain nombre de choses. Nous, on est observateurs. Nous, on est dans les coulisses parfois. On a souvent certaines informations données par des gens même qui sont à l'intérieur du sérail, mais qui veulent le changement, qui ne supportent plus la situation. Nous nous battrons jusqu'au bout pour ce pays, parce qu'on l'aime. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces malfrats. Ils doivent sentir à chaque moment que la pression du peuple est sur eux et qu'ils sont illégitimes, ces usurpateurs. Ils ne sont pas le choix du peuple, il est temps qu'ils dégagent. Nous avons trahi nos héros, clochardisé leur famille et on veut être en paix. On augmente les prix, aucune réaction. On attend l'homme providentiel qui viendra faire le miracle. Vous entendez le canto, sauve-nous. Frambia, viens nous sauver. Oh, Papa God, viens sauver le Cameroun. Sans leur propre effort et leur propre contribution et leur propre sacrifice, comment ça peut être possible? S'il y a l'homme providentiel, ok, comme toi, elle a l'homme providentiel. Comment le changement se fera si toi-même tu n'y mets pas du tien? Si tu ne trempes pas aussi ta main dans la pâte? Si tu n'apportes pas ta contribution? Comment est-ce possible? On attend l'homme miraculeux, l'homme providentiel, charismatique qui sortira de nulle part pour changer le Cameroun tout d'un coup d'une baguette magique. Ça n'arrivera pas. Chacun doit tremper la main dans la pâte pour que cela se fasse. Et c'est comme ça qu'on construit un pays. On construit un pays avec la magie et la sorcellerie que je vois là. Le peuple camerounais est frappé par la misère la plus abjecte. Justement, c'est le prix de notre lâcheté. L'opposition camerounaise qui peine à se réunir pour renverser ce pouvoir ne peut pas faire semblant. Au bout d'un moment, quand on utilise les mêmes méthodes, on ne peut pas s'attendre à des résultats différents. En tant qu'opposition, cette opposition a trahi le peuple camerounais. Et on est en train de payer le prix. Collectivement, la lecture de l'heure, elle est collective. Et voilà les gens là-bas qui disent que, oh, venez faire ça ici, Bia va vous montrer. Ah, c'est toi qui as des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. Problème d'insécurité, problème de route, problème de santé, problème de. Ceux qui sont en diaspora et qui ne manquent de rien font leur sacrifice, font leur part parce qu'ils sont Camerounais, parce qu'ils aiment ce pays. On ne peut pas avoir été à l'étranger comme nous, voir comment c'est beau et souhaiter que dans notre pays il y ait l'obscurité comme on voit, qu'il y ait le désordre, la médiocrité comme on voit. C'est pas possible. La petite Guinée équatoriale à côté, l'Éthiopie, l'Angola, des pays qui n'étaient rien, nous dépassent aujourd'hui de 20-30 ans. Ils ont pris 20 ans de plus d'avance sur nous sur le plan du développement, ne serait-ce que sur le plan des infrastructures. Nous sommes toujours en arrière. On attend tout d'un homme miraculeux, d'un homme providentiel. Ça viendra d'où? Chacun doit tremper la main dans la pâte, faire sa part de sacrifice, apporter sa pierre à l'édification, à la construction d'un nouveau Cameroun. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons changer les choses. Si nous voulons changer les choses, ce n'est que de cette façon-là. L'opposition peine à se réunir au Cameroun. On a vu dans les années 90, lors des années de Brest, comment le RDPC a perdu. Comment Biya s'est accroché et soutenu par les puissances occidentales. On a vu comment ce même Biya, quand il a repris du poil de la bête, a saucissonné l'opposition, a fragilisé cette opposition majoritairement constituée de mendiants.
Élection 97, on a vu ce que Biya a fait. L'opposition peine à se réunir. On va aux élections à rang dispersé. 2004, même chose. 2011, même chose. 2018, même chose. On fait les mêmes choses et on attend des résultats différents. Voilà l'Alliance pour le changement qui s'est mise en route. Cabral Libi est complètement de l'autre côté. Les Joshua aussi, n'en parlons pas. Tous ces gens-là sont pas pour que on se réunisse au sein de l'opposition et qu'on fasse l'union sacrée de l'opposition pour renverser ce régime. Comment ça va être possible? Et les gens comme ça, tôt ou tard, vont vous dire qu'ils avaient apporté des contributions. Incapables de se mettre ensemble. Quelle est cette opposition? 2024, voilà 2025, ils sont en train de nous préparer les mêmes choses. C'est une honte monumentale. Pour un si grand pays avec autant de talent, qu'on ne soit pas capable de renverser Paul Biya. Des fois, quand je vais quelque part, je suis camerounais, les gens me disent que, hey, encore vous là, j'ai honte. Qu'est-ce que je vais leur dire? On voit partout en Afrique, ça bouge. Rien que chez nous. Partout en Afrique, ça bouge, en dehors du Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi cette honte? Le plus vieux dictateur au monde, 41 ans de mandat, 41 ans à la tête de notre pays, 40, on est incapable de le renverser. 41 ans de règne, je n'étais même pas né que Biya était déjà président. C'est incroyable. Il y est toujours. Et en 2025, il veut être candidat à sa propre succession. Pendant ce temps, les gens sont nés après lui. Les gens ont fait des enfants. Ils sont morts. D'autres même sont devenus grand-mères, grand-pères. Sont morts. Biya est encore là. Il y a des Camerounais qui trouvent normal qu'ils se représentent encore en 2025. Ces Camerounais-là sont des sorciers. Ils sont des vendus. Un seul Camerounais normal, digne de ce nom, normalement constitué. C'est un miracle. C'est incroyable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un Camerounais qui te dit que Biya, après 41 ans d'échec, est l'homme de la situation pour changer le Cameroun? C'est difficile à comprendre, c'est difficile à expliquer. Même si c'est ton frère du village, au bout d'un moment, tu dis à ton frère du village que ya, comme on voit aujourd'hui, Malem Nvoutou de Sanmélima, qui est en train de dire que ce n'est plus bon. Biya doit partir. Que Chantal Biya lâche le type là, il passe se reposer. Qui dit ça aujourd'hui? Marlène Mvoutou, qui est soutien même, un soutien de ce régime. Mais qui dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas être géré par un papy qui a 92 ans avec sa femme influenceuse. Ce n'est plus possible, 2025, qu'ils aillent se reposer, qu'ils laissent les Camerounais gérer le reste. Il faut écouter tout le monde. Hein. Même les Sardinats, je les écoute. Les Patriotes, là, je les écoute. Marlène Mvoutou, pro-changement, est aujourd'hui, pro-RDPC, est aujourd'hui carrément dans l'opposition. Elle n'a certes pas pris la carte d'un parti. Mais elle le déclare tous les jours, je suis désormais de l'opposition et je vais framponner tous les jours, je vais taper sur ce régime parce que ce n'est pas possible. Quel Camerounais normal peut penser que Biya est encore quelqu'un qui est né en 1933, vers 1933? Si tu prends aujourd'hui,
Paul Biya, tu lui donnes un téléphone Android. Il ne sait pas par où commencer. Quelqu'un qui est né vers 1933 et à la tête de notre pays, c'est un peu comme on a confié le Cameroun, un pays avec 70% de jeunes. Le commandant de bord à qui on a confié l'avion Cameroun à 92 ans. Si toi-même tu marches là, tu arrives, tu t'arrêtes. Tu veux prendre un car à Douala Yaoundé, on te dit que le chauffeur là à 92 ans, tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dedans, sachant que le chauffeur à 92 ans, il peut s'endormir au volant à tout moment. Il peut perdre la tête au bout d'un moment, il vous amène au champ. Il peut. On sait ce qui se passe quand un homme a 92 ans. En une journée, il est lucide combien d'heures? Pendant combien de temps il est lucide en une journée? Comment est-ce possible confier notre avenir à les mains de quelqu'un qui a 92 ans? Un voyou médiocre qui a été incapable de mettre de l'ordre au sein de sa propre famille. Avec des enfants dégénérés, voyous et tout ce qu'on voit au palais. Avec une femme influenceuse. Qui dépense plus de 15 millions de francs pour, juste pour ses mèches. Quand je dis c'est 50 millions de francs chaque année. Juste pour ses mèches qu'elle met sur la tête. Pour ne pas citer les ongles et tout ce qui va avec. Quel est ce peuple qui n'a pas de dignité? Quel est ce peuple qui n'a pas honte? Qui a perdu tout sens de l'honneur, de la dignité? Ce peuple amoral. Enclin à la bêtise. Nous avons fait tous ces sacrifices. Jeune étudiant camerounais, sans repère, à qui le pays a tout refusé. Je me bats, traverse le désert, la Méditerranée. J'arrive ici. Mais je n'ai jamais arrêté de me battre. Je suis de ceux-là qui n'ont pas trahi et qui ne trahiront jamais. On se bat ici. On mobilise, on sensibilise, on se bat contre ce régime. On va à Genève, dit à Biya. Rentre au Cameroun te soigner dans les hôpitaux que tu as construits. On s'organise au sein de la brigade anti-Sardina pour mener la lutte à partir de l'Europe, pour contribuer au changement. Il y a des Camerounais pauvres qui vivent au Cameroun, qui n'ont pas de quoi manger. Ils mettent 100 francs, 200 de connexion, ils viennent nous insulter, nous. Nous qui sommes les victimes de ce régime, et nous sommes à l'abri en Europe où on a notre confort. On fait ce sacrifice-là parce qu'on veut voir le pays changer. Les qui on insulte, c'est nous. Et ces pauvres Camerounais qui sont sur place là-bas, qui n'ont pas d'eau, d'électricité, rien du tout. Qui meurent devant les hôpitaux parce qu'on a dit qu'il faut déposer une caution. Ceux-là même sont sur la toile dès qu'ils ont 100 francs. Ils viennent nous insulter. Venez faire ça ici, Biya va vous montrer. C'est quoi ça? Quel est ce? Entre-temps, ceux qui sont au pays sont trompés par les Camerounais qui vivent bien en Europe, ou du moins pour une bonne partie, qui vivent au crochet de la société. Ça veut dire qu'ici, même si tu ne travailles pas, tu as quand même le minimum qui te permet de survivre en attendant que tu trouves un travail. Tu as quand même un logement. Tu ne travailles pas, mais ton frigo, quand même, tu auras à manger. Tu ne travailles pas. Cindy Tchatchou, bonjour. Bonjour, Ngassa Rouvier. Tu ne travailles pas. Mais quand même, tu parviens à scolariser tes enfants. L'école est gratuite et obligatoire entre 3 ans et, de 3 ans à 16 ans. Revolu. Tout est fait pour que chacun ait à manger. Si tu tombes là, tu as l'ambulance 5 minutes après. Tu es malade, tu te soignes, que tu aies de l'argent ou pas. Nous voulons aussi ça pour notre pays. Mais il y a donc des Camerounais qui vivent en Europe, qui voient comment ça se passe, qui profitent de ce système-là. Mais qui ne veulent pas la même chose dans leur propre pays. Ils veulent rentrer dans des pays où
C'est le Far West. Ils veulent arriver dans un village où tout le monde est pauvre. Il est le seul bengiste. Il va arriver quelque part où tout le monde lui déroule le tapis rouge parce qu'il vient d'Europe. Quelques des clochards, des tordus que je vois qui vivent ici au crochet de la société avec des 650 euros de RSA, des aides qu'on leur verse là pour survivre. Dès qu'on a acheté quelques cachefs de cheveux de cadavres, on a mis sur la tête, on a acheté quelques faux sacs à main à 20 euros, on descend au Cameroun se jouer les patrons. Et on vient sur les réseaux sociaux insulter ceux qui se battent pour le changement. Et par ce geste-là, on trompe ceux qui sont au Cameroun. Parce que ce sont ces mêmes gens qui disent que, hein, ils veulent vous faire croire. Est-ce qu'en Europe aussi, il n'y a pas le torrent? En Europe, il n'y a pas les inondations? Hein? En Europe, il n'y a pas les accidents? Hein? Moi, je vis en Europe. Je suis là-bas. Nous, on vit la réalité. Qui vous fait croire qu'en Europe aussi, il n'y a pas? Quand on voit le taux de trafic qu'il y a en Europe, c'est 100 fois ou 200 fois. Je vais prendre seulement le cas de la France. C'est 1000 fois le trafic qu'il y a au Cameroun. Il y a combien d'accidents en France par jour? Il y en a combien au Cameroun par jour, des accidents graves? En France, il y a au moins 70 millions de voitures qui circulent au quotidien, avec des autoroutes à perte de vue, jusqu'à dans les villages les plus reculés. Les voitures circulent tous les jours. Au Cameroun, combien de voitures circulent? Combien? Combien de voitures d'ailleurs en état de rouler? Des cercueils volants, les cercueils roulants qu'on voit partout. Pas de route. Ceux-mêmes qui sont victimes des accidents, de la circulation, les corps sont déposés là, ou les blessés sont déposés là. Ils crient la douleur, ils pleurent, ils crient, ils pleurent, jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas de secours. Il y a les Camerounais qui vivent en Occident. Et qui disent aux frères du pays que non, c'est normal que tu ailles devant un hôpital, tu meurs parce qu'on n'a pas de cause, parce que tu n'as pas déposé une caution. Et ceux qui font ça savent que s'ils sont blessés ici, les mêmes sont, on prend soin d'abord, avant de voir après. C'est un peu comme ces tribalistes-là. Ils sont tribalistes au Cameroun, mais ils se plaignent du racisme en Europe. Ce sont les mêmes patriotes que je vois là. Tu te lèves le matin, tu insultes les Bamileke. Mais dès que tu as fini, tu vas dans le métro et tu te plains de racisme. Mais contre tes propres frères, tu es tribaliste. Contre ton propre pays, tu refuses le développement. Tu ne veux pas voir le changement dans ton propre pays. Tu vis chez les autres au crochet de la société. Parce que quand même, cette société-là t'a accepté. T'a donné un logement. Tu ne travailles pas. Et tu parviens à te nourrir. Tu parviens à scolariser tes enfants. Tu parviens. Tu bénéficies des soins de santé. Tu bénéficies de la couverture sociale. Tu bénéficies de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que cela soit comme ça. Nous voulons la même chose dans notre pays. Ceux qui se battent, on te dit, tiens 1000 euros, ou on décaisse 20 000 ou 30 000 euros dans les caisses de l'État pour payer les voyous camerounais en leur disant, allez rester devant les ambassades, allez rester à Genève, allez partout empêcher la brigade anti-Sardina de sévir ou de travailler, de sensibiliser, de porter les causes. Ils sont contents, ils se partagent l'argent. Et le jour où il y a problème d'argent entre eux, ils viennent eux-mêmes organiser les directs pour s'insulter et dire que tel a pris trop, tel ne m'a rien donné, tel a fait ceci, tel a fait cela. L'argent du contribuable camerounais. On se lève un matin, on veut le miracle chez nous, mais le miracle ne se produira pas. On a besoin de toutes ces mains camerounaises-là. Ceux qui sont dessus de la politique de Biya, nous avons besoin de vous pour rassembler, il dit bien rassembler, tous les Camerounais. En vue de renverser ceux-là qui sont au pouvoir. C'est une sorcellerie ce que je vois les Camerounais faire. Tu viens à la Tour Eiffel, quand tu es à Paris, tu penses à la Tour Eiffel, tu vas faire une belle photo pour dire « Ah, mais j'étais à Paris, c'est beau là-bas. » Tu vas à Abidjan, il y a le pont Ado,
Il y a des autoroutes. Il y a des TG, il y a des trains de grande ligne. Il y a des grands centres commerciaux. Il y a Abidjan où c'est beau. Tu as des grands hôtels, tu as des palaces, il y a des endroits où c'est magnifique. Il y a Assini où c'est beau et tout. Tu laisses tout ça pour aller à Yopougon dans un vieux quartier pauvre quelque part, prendre des images de la pauvreté pour dire, ah, les Ivoiriens, là, ils ont montré qu'ils sont riches. Voici les quartiers pauvres, comme en Colmessin chez moi au Cameroun. Il n'y a que le Camerounais pour faire ce genre de choses. Parce que le Camerounais est un homme frustré, aigri, jaloux, haineux. C'est un cocktail plein de haine. Il n'y a que ça. Il n'y a qu'un Camerounais pour faire ce genre de choses. Heureusement qu'entre-temps, il y a d'autres Camerounais qui peuvent faire les choses différemment et répondre. Il y a un Camerounais là qui a pris sa voiture, il met le direct, il roule en Côte d'Ivoire. Il dit aujourd'hui, je pars de Yamoussoukro pour Abidjan. Je pars de San Pedro pour Sassandra. Aujourd'hui, je veux rouler de Gagnoua pour Korogo. Il roule, il vous montre comment l'autoroute est là. Tout est propre. Il n'y a pas le policier qui est là, monsieur, garez-vous ici. Il n'y a pas ça. Il y a le flash. Il y a les caméras, il y a tout le radar est là. Tout est propre, c'est rangé. Quand tu pars de Yamoussoukro pour Abidjan, tu n'as pas besoin de prier dans le car comme quand tu pars de Douala pour Yaoundé, qui est un mouroir. Les gens se battent à construire leur pays. Vous allez en Coupe d'Afrique, on vous accueille. Au lieu de les respecter, vous allez filmer les endroits pauvres et sales. Comme pour dire que nous sommes médiocres au Cameroun, on le sait. Mais la médiocrité aussi existe ailleurs. Les Ivoiriens veulent nous faire croire qu'ils sont différents, mais ils sont tout aussi médiocres que nous. Ce n'est pas vrai. Les médiocres, c'est nous, parce qu'on est un pays de merde. Salut, Baoba, Jacob, Babou. Pays de merde. Et ça, tous les Camerounais de tremper la main dans la pâte pour rebâtir. Et ça passe par la reconstruction de l'humanité camerounaise. Il faut qu'on change les mentalités. Une influenceuse se lève, qu'est-ce qui te dérange? Tu vas dans le pays, les gens filmer où c'est sale. Alors que quand tu vas à Paris, tu te filmes à la Tour Eiffel, tu es contente. Si tu vas à New York, tu te filmes dans les endroits où c'est beau, tu veux montrer que j'étais à New York. Tu vas à Abidjan, au lieu d'aller là où c'est beau, te filmer, tu vas filmer des coins pauvres pour dire qu'ils sont aussi pauvres comme nous. Parce qu'un endroit beau et luxueux au Cameroun, il n'y en a pas. Tu vas filmer où Yaoundé, montrer à quelqu'un et en disant ça c'est chez moi au Cameroun. Où à Douala? Regardez, premier centre commercial. Les gens tombaient sur les escaliers mécaniques. J'avais honte. Les gens tombent partout sur les escaliers mécaniques. Les gens vont faire des photos sur les escaliers mécaniques. Mon Dieu. En plein cœur de Yaoundé. Le monument qui a coûté 3 milliards. Là où ils ont écrit j'aime le Cameroun, mon pays. Leur histoire qu'ils ont fait en plein cœur de la poste centrale. Il y a les robinets d'animation d'eau et tous ces trucs-là. Les gens partent de chez eux avec des bidons de 20 litres, 10 litres. Ils viennent là-bas puiser l'eau là-bas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est une honte. Le monument, j'aime mon pays là, en bas, ils ont mis des jets d'eau pour l'animation. Les gens partent de chez eux parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas de choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là-bas avec des bidons. Ils remplissent leurs bidons pour aller chez eux avec. Quand tu es Camerounais, tu vois tes frères souffrir comme ça te plaît. Tu es content de voir tes frères souffrir comme ça. Tu es content de voir ton pays être humilié comme ça à l'international. Tu vois des images comme ça traîner dans des réseaux partout en Côte d'Ivoire où on se moque de ton pays. C'est quoi ça? Une semaine à Yaoundé sans eau. Les gens n'ont pas autre choix que de prendre des bidons et aller là-bas essayer de prendre les petites eaux boueuses qui sont encore là, qui restent pour aller peut-être laver les vêtements. Et d'autres vont même boire, d'autres vont cuisiner avec. Au même endroit, les gens viennent faire des pipis en plein cœur de Yaoundé. Poste central. Endroit autorisé uniquement pour célébrer la victoire des Lions et célébrer la gloire de Paul Biya et célébrer le dictateur Paul Biya.
Les Lions gagnent la Coupe d'Afrique, tu vas à la poste centrale célébrer. Tout le monde est content. Au même endroit, le jour que tu n'es pas content, si tu dis tu vas là-bas exprimer ton ras-le-bol, on t'arrête, c'est la prison. Donc cet endroit-là est fait pour célébrer la victoire des Lions et pour glorifier le dieu Paul Biya. En dehors de ça, tu n'es pas content, tu passes là-bas, on t'arrête, on met en prison. Parfois, certains parlent comme ça. J'essaie même de comprendre parce que il y a des gens qui n'ont pas vécu à l'étranger. C'est des gens qui n'ont connu que misère toute leur vie. Ils n'ont pas expérimenté autre chose. Je comprends moins ceux qui sont ici. Ceux qui ont voyagé, qui ont vu comment ça se développe partout au Kenya. N'en parlons pas du Nigeria à côté. Regardez les pays, le Botswana, regardez le Maroc. Regardez tous ces pays, comment ça évolue. Regardez la petite Guinée équatoriale. Mon Dieu, regardez l'Éthiopie. Comment vous pouvez voir votre pays en train de s'effondrer comme c'est le cas du Cameroun? Vous restez sans rien faire. Et même ceux qui se battent pour le changement, c'est ceux-là que vous critiquez. C'est pas possible. Ça fait mal. Quand on aime son pays, voir ce genre de choses, ça fait très mal. À un moment, je me suis dit, les histoires des Camerounais, je sors dedans. Ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine. Je suis en France, je vais être dans l'intégration en France, et j'irai même plus loin, dans l'assimilation. Je reste ici, j'ai mes enfants ici, j'ai ma vie, tous mes projets, c'est, je fais mes trucs ici, les histoires du Cameroun, je sors dedans. Je connais des Camerounais ici, ça fait 30 ans, 35 ans qu'ils sont là. Quand tu leur parles du Cameroun, ils ne savent même plus où. Ils ne sont plus jamais repartis. J'ai dit ça, j'ai dit que je me suis promis que les histoires des Camerounais, je suis plus dedans. Deux jours après, j'étais en train de faire les directs pour crier. Je ne peux pas tenir. Rester comme ça et ignorer le Cameroun. C'est mon pays, le Cameroun. Mais je me sens aussi appartenir à la communauté nationale française. Le Cameroun, mon nombril est enterré là-bas. Quand je vois mes frères souffrir dans ce pays, ça me fait. Comme quand je vois mon pays aussi, un autre pays de cœur qui est Haïti, quand je vois les enfants, les afro-descendants, quand je vois nos frères haïtiens souffrir, ça fait mal. Ça fait très mal. Quand je suis au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, je regardais comme ça des grands frères que j'ai. J'ai laissé, je suis parti. Des grands frères qui nous ont fait rêver. À l'époque, ils étaient à l'université. Quand ils revenaient au quartier, nous, on était petits, on les voyait, on les enviait. Nous aussi, on va aller à l'école comme ces grands frères. Ils parlaient du bon français. Quand ils venaient, ils étaient propres, ils étaient étudiants. Il y avait les bourses à l'époque. Ils avaient des apparts, des logements. Ils avaient plein de trucs. Les gars étaient pleins d'avenir. On était petits, on les voyait, on disait, ouais, nous aussi, on va aller à l'école. J'ai grandi devant ces grands frères-là. Ils n'ont pas de travail. Beaucoup sont dans les maisons familiales. On fait des enfants là-bas. Même en location, ils ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ceux qui ont eu le courage d'aller en location, ils ont 4-5 enfants avec une femme. Tu as un loyer de 30-40 000. Tu dois nourrir toutes ces bouches-là tous les jours. Tu gagnes à peine 40 ou 50 000 tous les mois. Tu fais comment? Ils sont dans les jonglages. Tu vois quelqu'un qui a 35 ans au Cameroun, il ressemble à quelqu'un de 50 ans. Même sa mine, tu comprends pourquoi ils empoisonnent les gens. Tu comprends pourquoi ils créent du désordre partout. Tu comprends pourquoi ils en veulent à tout le monde. Tu comprends pourquoi ils sont aigris, haineux, jaloux. Parce que quelque part, c'est des gens qui ont fait des efforts aussi. Et qui s'attendaient à une récompense. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont été à l'école. Ils se disaient, après l'école, on aura un bon travail. Les voilà au quartier. Je suis arrivé au Cameroun, je les regarde comme ça, je dis, mais c'est pas possible.
Tu vois comment il survit. Le foie, il fuit même la maison. S'il est à la maison, les enfants ont faim. Il ne sait pas ce qu'il va dire à ses enfants. C'est à peine qu'il s'assoit en route, il a le courage. Je parle d'un Camerounais digne et responsable. C'est à peine qu'il a le courage de sortir 600, 700 francs pour boire une bière. Parce qu'il calcule que mettre, les enfants vont faire comment? Il met même 200, 300 dessus. Acheter un kilo de riz, on saute aussi comme ça, on jongle, on mange. Demain, on ne sait pas. On vit du jour au jour. On survit. On lutte pour survivre. Et c'est des gens qui ont été à l'école, qui se sont battus, ils n'ont pas de travail. Tu vois un tocard au quartier qui est parti de rien, il jongle avec les gens du système dans l'administration, tu ne comprends pas. Il t'a construit une maison de 50 millions. L'argent vient d'où? Comment dans ce pays on a passé le temps à saluer, à apprécier, à encourager la médiocrité? Regardez Lady Ponce qui fait semblant de dénoncer aujourd'hui. Demain, elle est là derrière Samuel Eto'o, qui lui-même de son côté encourage la médiocrité. Pourtant, lui-même était un homme excellent en tant que footballeur. Et qui sait que pousser ici là-bas, il fallait travailler dur, être honnête, être fort. Mais maintenant, dans la gestion des hommes, il impose la médiocrité. Si on avait imposé cette même médiocrité, on n'aurait pas eu cette carrière. On fait semblant de dénoncer le régime. Ah, il n'y a pas d'eau à Yaoundé depuis une semaine. Vous faites comment? Il n'y a pas d'électricité. Comment je fais pour consommer mes produits dans les congélateurs? Comment je fais pour... Ah, les Camerounais ici, là, comme si rien n'était pas au courant. Elle fait semblant quand même, lui, elle dénonce. Ça, il faut le saluer. D'un autre côté... Ah non, 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 il est très compétent. Les gens sont juste jaloux de lui. Quelqu'un lui-même qui encourage l'incompétence, qui encourage la médiocrité et qui a appelé en 2018 tous les Camerounais à voter pour Paul Biya, qui est à l'origine de la souffrance du peuple camerounais. Je n'aime pas les gens qui font semblant. C'est pour ça que j'ai du mal à m'entourer des gens. Je suis généralement seul dans mon couloir. J'ai un seul et vrai ami, un frère. Si je tombe, il sera là pour moi. Je ne suis pas dans les histoires avec les gens. J'ai horreur des gens qui ne sont pas vrais dans ce qu'ils font. Oui, Bertie, il est solitaire. Je préfère être solitaire. Je suis comme ça. Je ne veux pas vivre avec des tas d'idiots, de personnes de mauvaise foi. Et toi, tu as été aimé et célébré, porté par le peuple camerounais. Sa chute a commencé le jour. Avant ça, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Les gens pardonnaient. Mais les gens n'ont jamais pardonné 2018, où Eto'o est venu dire voter pour Paul Biya. Et aujourd'hui, les gens font comme si l'amour là qu'on avait pour Eto'o s'est retourné contre lui simplement parce qu'on est jaloux, on est haineux. Non, ils ne veulent pas expliquer l'origine. C'est ce qu'il dit à Francis Ngannou. Les gens vont te détester. Du jour où tu te lèves, tu pars ta coquine avec ces gens-là. Tu es dans les trucs un genre avec le régime là. Ta chute viendra de là parce que les Camerounais ne peuvent pas accepter que tu ailles faire ami-ami avec ceux qui sont à l'origine de leur souffrance. Demain, tu viens faire comme si tu étais avec eux. Ils ne vont pas te pardonner. C'est ce qui arrive à Eto'o. Et il fait dire cette vérité-là aux Camerounais. Que ça a le point de désaccord. La rupture totale, c'était à partir de 2018. Mais ils vont faire comme si non, ils ne savent pas. Non, ils vont. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous savez, même quand je suis dans les échanges avec quelqu'un, s'il est de mauvaise foi, je ne continue même pas. Il n'y a pas de perte. Je ne perds pas mon temps. Vous savez, quand je parle des affaires du tribalisme ici qui mine le Cameroun, quand tu abordes la question, il y a des gens qui veulent te faire croire que non, tu es dans les histoires, non, le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Il y a la croix de ceux qui mangent, il y a la croix de ceux qui ne mangent pas. Des conneries pareilles. Quand tu commences à me raconter, je ne continue même pas. J'écoute même pas la suite. Ça ne sert à rien. Parce que tu n'es pas honnête. Tu es malhonnête. Au fond, tu sais quel est le problème, mais tu fais semblant de ne pas voir. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir.
Ça sert à rien, strictement à rien. Je continue. Je suis pas là pour perdre mon temps. C'est ça, Simon Obisik. Aller en zone anglophone entouré des gendarmes qui sont là, des gens qui sont partout avec des gilets pare-balles sur eux pour te protéger. Tu vas prendre le soya, tu manges, parce que tu vas être président de la FECAFOOT. Et tu rappelles aux gens que non, 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 regardez, nous voici au Nozo, il n'y a pas de guerre ici. Depuis 2017, les gens sont en train de mourir. Avant-hier ou hier, on a kidnappé 12 personnes, y compris un préfet ou sous-préfet. 12 membres du gouvernement qu'on a capturés hier là-bas du côté de Bamenda. On ne sait pas quel sera leur sort. Quelqu'un comme ça vient vous dire que non. De toute façon, il n'y a pas de guerre là-bas. Il n'y a rien. Donc, tous ceux qui sont en train de mourir depuis 2017 là, c'est une invention. Vous voyez la moralité camerounaise. Vous voyez la mentalité des Camerounais. Vous voyez ce que je dis. Il y a urgence de reconstruire l'humanité camerounaise. À zéro, il faut repartir pour reconstruire. Parce que c'est très grave ce genre de déclaration. Venant de qui? De Eto'o. Si les anglophones ne l'aiment pas à cause de cet acte-là, on va dire non, on est jaloux de lui. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Bungon, porteur du message des ancêtres. Otep, Otep, Otep. Très bonne journée à vous.